Édouard ne nous a pas quittés. Au contraire, il n'a jamais été plus présent, plus vivant. Nous n'avons jamais autant ressenti l'urgence de ses rêves, de sa sève poétique. Qu'en découvrant les poèmes proposés au prix Poésie Édouard Mulick 2021. Troisième édition de la cérémonie de remise du prix de poésie Édouard Mulick. Cette année, c'est dans un contexte politique que se tient cette cérémonie, car nous rendons également un vibrant hommage à ce grand poète et fils du seul, Édouard Mulick, décédé à Paris le 10 avril à l'âge de 80 ans. Personnellement, dès mon jeune âge, j'ai connu Édouard Mulick. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises et j'étais admiratif de son versement et de sa manière de s'exprimer. Oui, Édouard Mulick a été un digne ambassadeur de son île natale. Partout où il a posé ses valises, que ce soit en France, à Pretoria ou ailleurs, il a consacré sa vie à la poésie. Lauréat pour cette troisième édition, Nivia Ramen pour Renaissance, Joé Jean-Jacques Sauzier pour l'Esprit de Sel, et Amico Ressort